que l'oiseau du jour qui se lève se taise au profit de ma voix. Laisse-moi entrer dans tes rêves. C'est l'amour même qui m'envoie. La forêt de Quinconce, c'est un conte, parce qu'il y a des éléments fantastiques dans le film. Il y a notamment une fille qui jette un sort à un garçon. Et c'est une histoire d'amour qui se passe à Paris aujourd'hui, une histoire d'amour fantastique. Il a suffi qu'à une femme, j'abandonne toute mon âme pour m'affranchir de la manœuvre. Je me suis fait les dents. Sachez que j'aurai plaisir à mâcher avant d'avaler vos couleuvres. Et je promets de vous haïr, femme. Vous aimerez la haine comme elle a aimé me trahir. C'est un film sur la renaissance d'un homme après une première rupture et la façon dont on se remet de cette première rupture à laquelle on n'est pas sûr de survivre. Je peux plus continuer comme ça, on va se quitter, Paul. C'est une comédie musicale sur l'amour, en vers. L'idée est venue de petits poèmes que j'avais écrits il y a quelques temps, des poèmes en alexandrin et en octosyllabes, qui, en se développant et en les mettant les uns au-dessus des autres, ont fini par faire un film. L'amour est une guerre où le plus grand danger n'est pas de se blesser, mais de se mélanger. C'est un langage qui suit une certaine métrique. Donc on s'exprime suivant des vers de 12 syllabes, et à la fin de chaque vers, il y a une rime. Par exemple, « Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. » Pas tendre, pas tendre. Donc voilà, c'est ça, des vers. Et c'est, vous avez écrit votre film comme ça? Oui. Vous êtes fou? Fou. Ça m'a pris beaucoup de temps. Tu parles bien. Tu ne sais pas quelle merveille je prépare pour ton plaisir. J'adore les vers. J'en connais beaucoup, j'en ai appris par cœur énormément. Et depuis tout petit, à l'école déjà, quand il y avait Baudelaire ou Victor Hugo, c'était quelque chose qui me fascinait. C'est comme une parole magique. Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas. Car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. C'est des scènes de tragédie comme ça où en fait les personnages s'expliquent. Ils s'argumentent, ils sont en colère. Parfois on croit reconnaître Racine ou Corneille, mais il y a aussi des influences d'autres poètes comme Mallarmé, Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire, Paul Valéry. Ma présence seule abolit le délire dont je te dote. Je suis le mal et l'antidote. Nous, on s'est battus pour que le film existe, pour qu'il soit là et ailleurs. Et maintenant, dans le fait de rencontrer son audience, de rencontrer le public, on avait vraiment besoin des festivals, et notamment, évidemment, du Festival de Cannes pour qu'ils puissent maintenant vivre différemment. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Mon film est présenté à Cannes. C'est l'histoire de Paul, d'Ondine, de Camille, de Paris. Vous allez pleurer et peut-être rire aussi. Alors là, je cherchais une rime en rime, mais en fait, ça n'a pas marché. Bon, j'en ai fait deux quand même déjà. Dis donc, les alexandrins, vous m'avez pris de court, c'était difficile.